Alors, maintenant, on va vous rendre un compte rendu par rapport au projet de notre centre Eden de l'OA. C'est un projet que nous démarrons au Congo Kinshasa, mais on ne va pas s'arrêter sur le Congo. Vous savez que on n'a pas que des Congolais qui sont touchés par le Seigneur. Il y a aussi des Gabonais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Français, des Belges, des Européens, des Antillais, de Blancs, de Noirs, de Jaunes, de tout, de Marrons, de Chocolat. Voilà, le Seigneur a touché, touche les nations. Et donc, il ne faudrait pas que des frères et sœurs se disent, ah ben nous voulons, nous nous sentons exclus. Personne ne sera exclu. Et grâce au Seigneur, on va l'étendre partout, au Togo, au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Mozambique, en Angola, partout où le Seigneur nous enverra, on encouragera les frères et sœurs à mettre ce projet en place. Et comme il faut toujours commencer quelque part, voilà pourquoi nous avons commencé nous commençons au Congo. Donc, le Seigneur, merci. Donc, on ira aussi au Canada, tout ça. Donc, vous avez, on va vous montrer cette page Facebook. C'est la page, justement, de notre centre Eden de l'OA. Alors, c'est quoi Eden de l'OA pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Le Seigneur nous a dit qu'il faut aller partout et de faire des nations des disciples. D'accord? Et il nous a dit également que dans sa parole que l'amour consiste aussi à venir en aide aux nécessiteux, à ceux et celles qui sont dans les besoins. Être disciple du Seigneur, être chrétien, ne se limite pas au parler en langue, à la prophétie. Au fait de s'assembler en réunion d'église et de nous édifier les uns les autres. Et voilà. Et aussi, bien sûr, par-dessus tout, adorer et servir le Seigneur. Mais il faut aussi aller vers les perdus, aller vers les nécessiteux. Or, il y a de plus en plus de problèmes dans le monde, de plus en plus de gens qui n'ont pas à manger, de plus en plus de gens qui ont soif. Et le Seigneur nous dit qu'il faut aider les gens, il faut nourrir les gens. On va par exemple prendre un passage avant de prendre de lire un peu là et de montrer ce projet, Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, alors il est dit à partir du verset 31. Quand donc le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les ju justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avons-nous nourri ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Et nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors répondant. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà. Et donc c'est une parole, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Évangéliser, prêcher l'évangile, prêcher le retour du Seigneur, c'est aussi donner aux gens les moyens, n'est-ce pas, aussi bien spirituels que matériels, pour qu'ils puissent s'auto-gérer, se prendre en charge. Et voilà pourquoi nous avons mis en place, ça nous a fait mettre en place ce projet
du centre voilà, Eloa, Eden d'Eloa, pour justement venir en aide aux gens qui sont vraiment dans les besoins. Donc, on va pouvoir produire des choses, des fruits, du manioc, des patates douces, des ignames, tout ça, et toutes sortes de fruits, hein, d'agrumes, tout ça. Et avec toute cette récolte, nous allons donner une partie aux veuves pour qu'elles aient un fonds de commerce afin de nourrir, de se nourrir et nourrir leurs enfants, leurs familles, pour celles qui ont des enfants. Et on va leur donner cela gratuitement. Une partie sera bien sûr vendue. Et avec ça, ce qui sera vendu, ben, on va pouvoir financer des productions de la Bible et aider les uns les autres. Donc, c'est un travail aussi en même temps que nous voulons donner aux gens, parce que la parole nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà. Donc, voilà comment nous voulons procéder. Donc, ce n'est pas... Donc, ce sont des produits qui sont récoltés et ben, les gens vont être assistés. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Donc, l'objectif, bien sûr, ce n'est pas de s'enrichir, mais plutôt d'être au service des gens, rendre service. Et il y a des frères qui se convertissent, qui sont convertis, des frères et sœurs, mais qui n'ont pas de travail. Donc, le Seigneur nous a donné quand même la terre et il permet à ce qu'il y ait la pluie. Alors, pourquoi ne pas, justement, ensemencer cette terre? Parce que la parole nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, on ne récolte que ce qu'on a semé. Donc, si on plante du maïs, on aura du maïs et on peut, avec ce maïs-là, nourrir les orphelins, nourrir les prisonniers, nourrir les veuves, parce qu'il y aura des denrées, des fruits, des récoltes qui vont être données aux prisonniers partout dans le monde, données aux orphelinats, données aux veuves, et des veuves et des pauvres auront un fonds de commerce en nature, et en fruits, en agrumes, en manioc, voilà, et produire aussi, bien sûr, des plantes médicinales que le Seigneur, notre Père, a créées. Voilà, dans les Écritures, vous savez, le Seigneur a aussi permis à ce que des gens soient guéris via les fruits. Par exemple, Ézéchias, le roi, avait des problèmes d'ulcère, et le prophète Esaïe a dû appliquer sur lui ben, des figues, et il était guéri. En fait, nous voulons vraiment exploiter la terre juste avant l'enlèvement de l'Église, et aussi faire de l'élevage, de la pisciculture, voilà, et en fait donner du travail aux gens, responsabiliser les gens qui veulent avancer, voilà, pour ne pas à dépendre des autres. Voilà, donc il y a justement ce centre que vous voyez, Eden d'Eloa. Et alors, vous pouvez vous-même aller sur le Facebook de ce centre et prendre toutes les informations dont vous avez besoin. Et voilà. Donc, et au fur et à mesure, ben, on va alimenter cette page. Et voilà. Et il y aura des centres comme ça un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, pour aider les frères et sœurs et les aider à être vraiment autonomes, parce que nous croyons que, juste avant l'enlèvement de l'Église, nous croyons que l'enlèvement est imminent. Il y aura de plus en plus cette crise et il faut vraiment s'organiser. Voilà, s'organiser pour être, il faut être responsable. Et on va vous montrer justement une vidéo, en fait deux vidéos ou quelques vidéos. Voilà. Alors, cette vidéo-là que vous voyez vient de m'être envoyée. On me l'a envoyé aujourd'hui. Alors, c'est un lingala. Je vais vous expliquer pour ceux et celles qui ne comprennent pas le lingala. En fait, ce sont des ouvriers qui sont rentrés pour le week-end du site que nous avons acheté grâce au Seigneur et aux dons que vous avez pu envoyer. Ils sont rentrés pour le week-end pour voir leur famille, pour repartir cette semaine. Et ils ont fait les briques. Ils ont... et travailler vraiment d'arrache-pied. Et en revenant du site, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu là-bas. Et ils ont dit ceci. Hein, en fait, je vous laisse d'abord écouter et je vais vous expliquer. C'est vraiment encourageant de voir ce que le Seigneur fait. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, je veux vous expliquer, mes frères et sœur, ne vous inquiétez pas.
Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas de son. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de son. Et là, c'est logiquement c'est ce qu'on a fait. Alors, faites-moi signe s'il n'y a toujours pas de son. Voilà, donc on est en train de régler ça. Alors. Oui, Roger, tout à l'heure. Alors. C'est bon, ça passe? C'est bon. Ça a sauté. Toi, tu es bien en direct. Par contre, on n'a pas de son de la vidéo. Ouais, ça c'est. Ah non, ça faut pas le mettre. Enfin, va y... Ils entendent la paroi. Ok. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son de la vidéo? Il n'y a pas le son. Ok, il n'y a pas le son de la vidéo. Alors, c'est pas. On va faire ceci. On va faire ceci. On va. Voilà, on va faire ceci. Ça va être simple. Ne vous inquiétez pas dans deux secondes. Deux secondes. Et. Alors. On va trouver un moyen. Il y a toujours un moyen. Là, c'est bon? Alors, je mets ça comme ça. Puis, vérifiez bien. Est-ce qu'il y a toujours le... Il y a toujours pas de son? Là, qui a toujours. Ok, donc. Donc. Ah là là, c'est compliqué. Donc. On va faire ceci. La possession, on veut se dire. Oui, Roger, tout à la fondation d'amour.
Et il y a une certaine maman, à la bête de la vie, en tout cas, il y a un esprit, nous sommes sous. Nous sommes sous, il y a un peu derrière moi, la fondation, à quelqu'un qui est là. Donc, ce qui est là, il faut accueillir. Donc, il faut donner un esprit à créativité, à lancer ma maman pour qu'elle ne m'en rende pas. C'est que le projet, il faut arrêter de faire des choses. Il faut arrêter de faire des choses. Parce que parce qu'il va condamner, il faut condamner des choses. Ma projet n'a pas mon amateur, mon amateur, mon amateur, en tout cas dans la maille, par mon bateau, car moi. Donc, on a dit que la maison a maté la plateau de Batégué Bouna. Et ça, on a dit que la plupart de la maille, ils ont la maille, à Sombi, à Sundou, ils ont la maille, 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 à Sundou, à tout cas, le projet est qu'il y a des bosses, et quand il s'est vraiment, ma canisse, ma maman. Amen, amen, amen. Merci. Donc, commentaire, monsieur Chouali. Oh, et bien, on a un peu à Yoga et Maran, monsieur. Oh, la réalité en Bougano. Et la réalité en Bougano, Bateke. Ah ah. Ok, merci, apôtre. C'est un message très fort et je sais que ma frère et soeur va se mobiliser dans la prière. Voilà, alors je vous explique rapidement. En fait, les ouvriers sont revenus. Du site que nous avons acheté. Et ils disent que pendant qu'ils travaillaient sur place, parce qu'ils ont commencé à la fondation du premier bâtiment pour l'hébergement des frères et sœurs. Et donc ils nous disent un peu, une femme villageoise est partie les voir en leur disant, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe ici depuis que vous êtes arrivés. Toutes les personnes qui viennent acheter ici, qui viennent acheter des terres, on les envoûte et elles partent en courant et elles nous laissent et l'argent qu'elles ont donné et les terres qu'on leur a vendues et elles ne reviennent plus jamais parce que nous les envoûtons. Et vous, depuis que vous êtes arrivés, nous n'arrivons pas à vous envoûter, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et nous réalisons que votre esprit est supérieur à notre esprit et nous ne pouvons rien faire contre vous. Et vous êtes arrivés, on a essayé de vous envoûter et ça n'a pas fonctionné. Et vous avez commencé à construire rapidement et les choses avancent. Donc, on est vaincu, en gros. Voilà un peu le témoignage, frères et sœurs, qu'on a reçu des ouvriers. Hein. C'est une femme villageoise qui leur a dit cela, qui est partie les voir carrément pour leur dire, en tout cas, les sorciers du coin sont fatigués. Voilà. Ils sont fatigués et ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à vous faire partir d'ici. Et vous êtes là et vous êtes plus forts que nous. Waouh! Frères et sœurs, regardez combien le Seigneur est grand. D'accord? Et voyez, regardez les autres images là, hein, de l'avancement des travaux. C'est impressionnant. Hein? Ils ont joué avec notre maître et le Seigneur leur a démontré à quel point il est tout puissant. Il est puissant, il est fort, il est glorieux. À lui seul, la gloire. Vraiment, on est encouragé. Voilà. Donc, la vidéo, là, on va la mettre sur nos réseaux pour vraiment vous encourager. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Hein. Donc voilà, et vous avez compris un peu hein, la vidéo là. Donc en fait, c'est carrément une villageoise, une maman, une dame d'un certain âge qui est partie voir les ouvriers, voilà, qui travaillent sur notre site pour leur dire toutes les personnes qui viennent acheter ici, on les envoûte et elles fuient, elles nous laissent et l'argent et nos terres. Mais vous, on n'arrive pas à vous envoûter. Vous êtes arrivés, à peine que vous êtes arrivés, vous avez commencé déjà à construire et les choses avancent. Et nous avons constaté que vous avez un esprit supérieur à notre esprit. Voilà. Donc, ben, c'est la puissance de notre Elohim, Adonai Elohim, Alléluia. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Gloire au Seigneur, notre grand maître, grand frère, notre grand frère, le maître des maîtres. Hein? Parce qu'il est le grand maître de tous les maîtres. Voilà. Que ce soit les maîtres maçons ou rosicruciens, Yehoshua est le maître des maîtres, le grand des grands, le grand maître de tous les maîtres. Voilà. Il est grand, il est tout puissant. C'est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. À lui seul la gloire. Alléluia, gloire au Seigneur.
Voilà, il y a une autre vidéo qui va vous encourager. Va vous encourager. Vous allez voir que les dons que vous donnez sont utilisés pour faire avancer les travaux. Gloire au Seigneur. Alors, voilà, il y a une autre vidéo. Suivez très bien. L'avancement des travaux. Regardez vous-même. En face, c'est le fleuve. C'est les montagnes là-bas, c'est le Congo Brazza. Regardez combien c'est beau. Comment c'est beau. Vous allez pouvoir vous reposer là-bas en vacances, en une semaine, deux semaines, un mois pour vous, n'est-ce pas, vous ressourcer, pour méditer, faire de la pêche, faire de l'agriculture. Voilà. Bonjour. Désolé pour l'image. Hein. Le chantier là. Ils ont filmé ça comme ça, malheureusement. Un souk, comme ça là. Trois chambres, salon, cuisine, salle de bain, deux baras, véranda. Voilà. Ça va presque à la fin. Donc désolé pour l'image, parce qu'ils ont filmé ça comme ça et pour l'instant je ne peux pas Voilà. Dans la véranda. Véranda bandigou na souka. Et bien souki wana. Bien wana souki. Un salon. C'est le salon. La salle à manger. On a le salon ici et là. Chambre une, deuxième chambre, toilette, dégagement, troisième chambre, Boubara. Ok, c'est bon. On va péter table. Yeah. C'est bon. Voilà. Voilà, désolé pour l'image qui est complètement à l'envers. Ils ont filmé ça comme ça et bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. En face, c'est le fleuve Congo. C'est le Congo Brazzaville. De ce côté-ci, c'est le Congo Kinshasa. Donc, nos frères et sœurs du Congo Brazza peuvent prendre une barque et traverser, venir nous saluer. On va partir là-bas pour aller les saluer. Donc, nos frères et sœurs du Congo Brazza qui veulent venir se reposer. Voilà, c'est pour vous aussi. Ensuite, on ira chez vous là-bas qui est aussi chez nous, hein, pour mettre ça en place, un tel projet. Voilà.
Donc ça c'est juste des logements pour vous. Hein? Et derrière, il y aura plus tard, il y aura le centre biblique, hein, qui sera construit. Donc là, on commence d'abord par quelques maisons d'étudiants, de frères et sœurs qui vont pouvoir se reposer. Voilà. Et nous avons. Les ouvriers sont là, en train de couler le socle. Ce sont les dernières tâches. Voilà, regardez cette belle image là, cette belle vue. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore cette vidéo, voilà, en face, vous avez le Congo Brazza. Là, toutes ces montagnes là, ces collines là sont font partie du Congo Brazza. Et là, vous avez le fleuve Congo. Voilà. Alors, on va vous montrer un peu comment c'était il y a quelques jours. Voilà comment c'était. Il n'y a même pas une semaine, hein. C'était tout ça là. Voilà, il y a une semaine, c'était tout ça. Et là, ben, ils ont travaillé. Vous voyez la rapidité avec laquelle ils travaillent. C'est quand même assez encourageant. Et c'est pour cela que les sorciers de, ce village qui fait partie de Kinshasa, la capitale, hein, sont étonnés, choqués. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi... pourquoi les choses vont si vite. Ils pensaient pouvoir prendre l'argent du Seigneur et nous envoûter, garder cet argent et cette terre. Ils ont oublié que la parole nous dit dans 1 Corinthiens que la terre, avec tout ce qu'elle contient, donc la terre, bien sûr, appartient à notre Elohim. Voilà, donc là, il n'y avait encore rien dessus, sauf les briques qu'ils ont pu faire. Tout ça, ça date d'une semaine. Hein. Voilà. Donc maintenant, il n'y avait pas encore la fondation. Là, regardez un peu l'évolution de travaux. C'est vraiment très encourageant. Bon, vous tous qui avez à cœur ce projet, ben voilà, les choses avancent. Et puis ben là, nous avons en fait au bord du fleuve, là, on a 1 hectare au bord du fleuve. Et derrière, là-bas, on a 19 hectares pour... l'agriculture, voilà. Donc là, c'est au bord du fleuve qu'on va mettre justement les logements pour les étudiants, avec des jardins, avec notre centre de formation biblique, et puis on va mettre aussi, s'organiser aussi pour pouvoir héberger des veuves, hein, des gens qui sont vraiment en galère. On va aussi, les veuves de ce village-là auront, les pauvres auront aussi, ceux qui souffrent, auront aussi... un endroit pour pouvoir s'abriter. Donc, on va s'organiser comme ça. Ça va être vraiment un centre pour venir en aide aux nécessiteux en même temps. Voilà. Mes amis, que le Seigneur soit béni. Voilà, voilà comment les choses évoluent. Hein. Ça va très, très vite. Voilà. Donc... quand le Seigneur fait son travail, ben, les choses avancent, que les gens le veulent ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, ben, le Seigneur fait avancer son royaume. Voilà, gloire au Seigneur. Donc avec cette vision-là, ben, on va essayer de s'organiser pour aller partout, au Congo, partout au Cameroun. Au Cameroun, il y a déjà des projets. Hein, des frères et sœurs qui bossent, que je tiens aussi à saluer, à encourager en Centrafrique et tout ça, et voilà, au Congo, Brazza, et voilà, que le Seigneur soit béni partout, soyez dans la paix du Seigneur, au nom de Yeshua, notre Elohim, à lui seul la gloire. Donc ceux et celles qui ont à cœur de participer, parce que vous voyez, les travaux avancent, ben faites-le simplement, librement, laissez-vous guider par le Seigneur, et on a d'abord besoin de la prière. Vous avez pu voir combien des sorciers se lèvent contre ce projet et combien aussi, comment le Seigneur les confond aussi en même temps. Et on a besoin d'avoir de vos prières. Et voilà, et celles qui ont à cœur de participer, ben faites-le
comme vous le faites depuis, librement et sans pression, sans contrainte. Au Seigneur, seule la gloire, la louange, l'honneur, la majesté. Et là, cette semaine qui commence, on va envoyer une somme pour qu'il commence l'élévation des murs. Et je pense que tout va bien, si le Seigneur le permet, avant fin août, on aura terminé. Et on peut déjà commencer à aller en mission là-bas pour évangéliser les villageois. Et ceux qui vont partir en mission vont pouvoir dormir sur place, prier à ciel ouvert, hein, et dans la nature, méditer dans la nature. On va mettre des arbres et on pourra méditer là-dessous, en dessous, et prier et servir le Seigneur et aller un peu plus loin pour apporter l'évangile, dire aux villageois, dire aux gens que le Seigneur revient. Et puis, puis voilà. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. À tout à l'heure.